Avec Alel Sadk, l'entraîneur de l'US Blanzy féminine. Alors Blanzy, c'est incliné 6-4 contre ici. Alel, ta première réaction? Un peu difficile à concevoir cette défaite vu qu'on menait 2-0. Pour moi, on pouvait aller jusqu'au bout. On voit quand même l'équilibre qu'il y a entre mon équipe et l'équipe adverse. C'est quand même une équipe qui joue bien au ballon, qui a goûté quand même la D2 et la D1. Donc nous, on a beaucoup de choses encore à apprendre. C'est la première défaite depuis que tu es sur le banc de l'US Blanzy, si je ne me trompe? C'est la première. Alors la sensation, un peu de frustration, de regret? J'ai l'impression que j'ai perdu les 6 mois que je viens de faire sur un seul match. Quoi. D'accord. Et en face, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette équipe? Il y avait quand même Corée, la 10, la numéro 7. La 8. Montrer de très très belles... La 11 derrière. Et pour le match retour, qu'est-ce qu'on peut en espérer? J'espère que j'aurai déjà tout mon effectif. Normalement, je l'ai, donc je pense que ça ne se passera pas pareil. Donc, on garde espoir pour la qualification. Il faut garder l'espoir. Si on ne le garde pas, ça ne sert à rien, comme disait M. Zonelloir. Ça ne sert à rien de rester là si on ne garde pas l'espoir. Eh bien, Monceau Sport sera là pour vous suivre alors. Merci, merci encore, Alel. Merci, écoute.